L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays, dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Palavra viva. Les frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Celle-ci, c'est l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Et nous commençons maintenant cette programmation qui est diffusée tous les dimanches à 10h du matin au Brésil dans notre canal YouTube. Je veux vous saluer, vous qui avez reçu une invitation pour participer de ce culte à travers un lien qui vous a été envoyé par WhatsApp ou pour d'autres moyens de communication. Je vous salue, qui est notre visiteur donc, pour ce culte, et je vous invite pas seulement à assister à une vidéo, mais de participer d'un culte d'adoration au nom du Seigneur. Je salue aussi les frères et sœurs qui nous assistent et qui participent de ce culte dans toutes les parties, y compris dans nos églises, ceux qui sont en présentiel via satellite qui regardent cette vidéo. Je vous salue aussi dans la paix du Seigneur Jésus. Je vous invite à vous mettre au genou en ce moment. Je vous invite tous à prier. Nous allons clamer par le sang de Jésus pour commencer ce culte. Et vous qui nous visitez, vous qui avez reçu l'invitation, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester comme il vous convient le mieux. Nous allons prier. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang de Seigneur Jésus. Nous demandons, Père, que tu puisses nous bénir ce moment par l'opération de ton esprit. Nous puissions avoir nos péchés pardonnés, avoir une communion profonde avec ton esprit et aussi tout l'enseignement que tu as pour nous ce matin. Bénis-nous, visite-nous, Seigneur. Nous prions par le pouvoir qui est dans le sang de Jésus en ce moment. Au nom de Jésus, amen. Même tous peuvent s'asseoir. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons chanter un chant de louange, d'adoration au nom de notre Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu agit déjà dans un processus de profonde communion avec le Seigneur, ce que nous vivons, y compris à travers la louange. Chantez avec nous, participez. La lettre de la louange va être projetée. Et dans la séquence, juste après la louange, nous allons entendre le message de la part du passage de Tigueiros. Amor que aquece a
Mes frères et sœurs, je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur. Nous sommes ici dans notre école biblique dominicale, le 21 février 2021. Mes frères, aujourd'hui, j'aimerais dédier un peu plus à la parole. Nous avons quelques annonces pour être faites. Compris, nous avons la participation, après l'école biblique dominicale, nos frères, à Queimados, c'est une consécration d'un temple. Et nous voulons aussi parler directement au gouverneur Valadares dû au décès d'un pasteur bien-aimé qui nous laisse beaucoup de... qui nous a beaucoup touchés. Quelques aspects de la réunion d'aujourd'hui en rappelant que cette école biblique dominicale, donc le nombre de participations a augmenté, donc de dimanche jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a un intérêt chaque fois plus grand de la part des pasteurs, des ouvriers, nos frères, y compris des enfants, des adolescents. De manière extraordinaire, les observations qu'ils font, ils ont une portée déjà très mûre par rapport à leur âge, hein, de 10 ans, 11 ans, qui nous envoient des contributions au presbytère, à notre école biblique dominicale, dans leur participation. Et nous glorifions le Seigneur à cause de cela. Aussi, j'aimerais faire référence au groupe des frères de Minsk, de Biélorussie, pour les réponses qu'ils nous ont envoyées, des réponses extraordinaires. Ils ont apporté un ensemble très grand par rapport aux manifestations bibliques à propos des sujets qui sont apportés ici par rapport aux questions qui sont posées. Mais tout d'abord, donc, nous allons passer rapidement quelques réponses que nous aimerions de donner à nos frères. Et nous savons que beaucoup, presque tous, la grande majorité a répondu correctement, mais quelques-uns ont compris de manière un peu vague, mais ont participé. Nous voulons rajouter, améliorer un peu quelques réponses afin que les frères puissent avoir une compréhension un peu meilleure ici. Le sujet, c'est un peu difficile d'être compris. Ce sont des mots qui sont dans la Bible, ce sont des mots que les personnes, des fois, n'arrivent pas à toucher la valeur de ces mots et leur signification et le moment vers lequel elles ont été mises dans la parole de Dieu. Nous allons ici donc passer à la première question. Vous avez répondu, presque tous ont répondu. À l'Ancien Testament, nous retrouvons des personnes dont les histoires sont enregistrées tantôt au Nouveau comme à l'Ancien Testament. Ils se sont mis contre leur propre appel. Donc nous avons le cas de Caïn, nous avons le cas d'Ésaü, nous avons le cas de Samson. Il y a un cas ici, Samson, Absalom, Adonijah. Donc ce sont des personnes que le Seigneur a appelées, mais qui n'ont pas répondu à l'appel. Des personnes que le Seigneur voulait utiliser, des personnes que le Seigneur a utilisées, mais qui se sont révoltées contre leur propre appel. Et nous voyons au Nouveau Testament la figure de Démas, qui était à l'Église primitive, était un diacre. Pardon, est Nicolas de l'Église primitive. Donc les Nicolaïtes, la doctrine qu'il a voulu insérer à l'intérieur de l'Église en changeant le sens spirituel de la parole vers un sens charnel. Il est resté très connu à cause de cela. Le problème, quand il a pris la parole, il a commencé à utiliser la parole pour attirer vers lui le projet de Dieu en changeant le sens prophétique de ce que les apôtres prêchaient. Quand les apôtres prêchaient à amour, l'amour dans un message à propos du Saint-Esprit de Dieu, lui, il parlait de l'amour érotique, l'amour de la chair. Quand le Seigneur parlait en liberté de l'esprit, lui, il parlait de libertinage.
Donc, c'était des changements que nous voyons aujourd'hui, je veux dire, dans ce milieu appelé chrétien évangélique. Nous avons les mêmes idées, les mêmes pensées des fois, la même manière d'agir, parce qu'en vérité, les Nicolaïtes, il est parti de l'intérieur de l'Église fidèle. Judas, il était parmi les apôtres pendant 3 ans et après il a renié Jésus. Nous avons l'histoire des anges qui ont chuté. Un tiers des anges, un chérubin qui était loin devant le Seigneur, s'est levé contre Dieu. Imaginez les frères. Et le Seigneur a permis. Donc, le libre arbitre, la liberté de ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent. Et dans ce cas, tous se sont levés contre le projet de Dieu. Donc, nous avons la première réponse qui est très claire. Ils se sont mis contre leur propre appel. Non, je ne veux pas ça. Je veux faire ce que je veux. Donc, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de révélation, pas de parole, pas de clameur par le sang de Jésus. On va faire tous à notre manière. Tout va bien. Mais regardez bien. La deuxième question, il dit, est pointer 3 objectifs de l'Antichrist dans ce message pour toucher l'Église fidèle. Parce que le problème de l'Antichrist, c'est pour toucher l'Église fidèle. Il n'est pas préoccupé avec l'Église infidèle. Il est préoccupé avec l'Église fidèle. Quelle est l'Église fidèle? C'est celle qui se prépare pour l'enlèvement. C'est celle qui a la doctrine, qui soutient le chrétien dans sa dernière heure, comme la prière par le sang, la parole révélée. Donc ça, c'est des instruments, des armes que le Seigneur met dans la main de son peuple pour vaincre ces derniers moments, cette dernière heure, dans cette bataille qu'elle a devant nous. Nous sommes en train de vivre un temps que c'est la période appelée de la grâce, où la porte de la grâce est en train de se fermer là. 2000 ans, donc nous sommes dans la troisième dispensation, il y a eu 2000, encore 2000, et maintenant 2000. 2000 ans, personne n'est pris de surprise. La parole, elle est ouverte, elle est claire. Celui qui veut renier ce moment, il peut renier. C'est une opération de l'erreur. Regardez bien, renier l'opération du Saint-Esprit dans le processus de régénération de l'homme. Donc, les messagers de l'Antichrist font cela. J'aimerais qu'on puisse projeter ici les textes qui parlent de l'Antichrist. Quand on parle de l'Antichrist, vous pensez que c'est la figure d'un élément. Non, c'est Antichrist. Il dit, mes enfants, c'est déjà la dernière heure, 1 Jean 2,18. Et comme vous avez vu qui vient l'Antichrist, aussi maintenant, beaucoup se sont fait Antichrist au pluriel, par où nous connaissons que c'est déjà la dernière heure. Donc la dernière heure, c'est ce moment que nous vivons, doit venir l'Antichrist. S'il ne vient pas, les Antichrists, au pluriel, sont ceux qui prêchent le message de l'anathème, le message de l'apostate. Donc, c'est l'apostate qui prêche le message de l'Antichrist. Donc, c'est un des Antichrists. Il est venu pour cette dernière heure. La parole de Dieu montre que beaucoup se sont fait déjà antichrist pendant toute l'histoire. Mais maintenant, à cette dernière heure, elle est caractérisée par l'antichrist, par la doctrine, par son enseignement qui est contraire à l'enseignement de Christ. Donc, quand Jésus dit, je suis le pain de la vie, et là, l'antichrist va dire, il tombe vers le côté matériel, je suis le pain de la boulangerie, on va donner de la nourriture aux pauvres, on va sortir dans la rue. On va faire toutes ces choses que tout le monde connaît pour apparaître. Parce que ceux qui veulent distribuer quelque chose, il n'a pas besoin d'aller au milieu de la rue. Il va dans les maisons, il prend ses frères qui sont en train de passer des difficultés. Non, il veut apparaître. Regardez bien, contribuer, aider, tout va bien. Mais exposer les gens et vouloir faire la propagande de soi-même, de ses bontés, ça, c'est de l'antichrist. Eh bien, même pourquoi la partie sociale, n'importe quel gouvernement, il fait, même le communisme, il est né pour faire ça. Et il a existé le socialisme exactement pour faire ça. Il fait avec l'argent du gouvernement. Le gouvernement, il a dans ses bases ce type d'enseignement qui est aidé
les plus nécessiteux, ce qu'on appelle le socialisme. Nous pouvons aider, nous pouvons répondre à nos frères et sœurs et à d'autres qui sont à côté de nous, qui nécessitent. Mais voyez bien, mais la doctrine de l'Antichrist, c'est celle-là. Quand Jésus dit, je suis l'eau de la vie, lui, il dit, non, c'est H2O, c'est l'eau du robinet. Il dit, non, j'apporte la paix. Non, il dit, maintenant, je suis en paix, je suis libre. Non, tu n'es pas libre, tu vis la vie de libertin. La liberté en Christ, c'est une chose. Être libertin, c'est une autre chose. Parce que la liberté en Christ, c'est de lutter contre le péché. C'est d'être victorieux contre le péché. Quand tu es victorieux contre le péché, tu es libre en Jésus. Tu es délivré par Jésus. Délivrance, c'est une chose. Liberté, c'est une chose. Libertin, c'est une autre chose. Les gens confondent cela. Naturellement, que la doctrine de l'Antichrist, elle est très sophistiquée. On comprend pas très bien ce qu'il veut, mais c'est ce qu'on aime, donc tout va bien. Chacun a le droit de choisir ce qu'il veut. Nous allons maintenant à la troisième question. Eh bien, en vérité, l'Antichrist, pardon, il renie aussi les doctrines qui soutiennent la vie du chrétien en ce monde. La parole, le sang, le corps sont le secret de la victoire. La troisième question, quel est le rapport existant entre l'anathème et l'apostate? Il est clair que la Bible, quand elle fait référence à l'anathème et l'apostate, elle fait référence à des problèmes naturellement par rapport à Dieu, la vie spirituelle, des problèmes qui sont arrivés et vont arriver à n'importe quand. Nous allons voir cela au milieu de nous. Il y a toujours eu l'anathème. On voit en Lévitique, quand nous ouvrons en Lévitique, on va voir très bien, Lévitique 27, 29, on lève l'anathème. Quand Achan, quand il voit la lutte, il y a eu une bataille, et le Seigneur a dit, je ne veux rien, n'apporter rien contaminé. Je ne veux rien contaminer. Et Achan a apporté une cape de Babylone. Il a caché dans le campement d'Israël. Donc Josué a perdu la bataille. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné la première bataille. Après, il est venu devant le Seigneur a dit, non, vous n'allez pas monter vers une autre bataille parce que vous allez perdre. Parce qu'il y a une chose, il y a quelque chose à l'intérieur du campement qui ne me plaît pas. Ils sont allés, regardez un par un, il y avait la cape babylonienne et quelques objets qu'il avait cachés. L'anathème. C'était l'anathème qui était là. L'anathème, il cache les choses, il veut cacher les choses du Seigneur, devant le Seigneur. Il veut parler une autre vérité qu'il n'a pas. Mais revenons ici. La différence donc existante entre l'anathème et l'apostate. L'apostate, il renie l'expérience. Donc, quelle expérience? Donc, il n'a pas eu l'expérience avec le Seigneur, il ne renie pas. Mais vous avez eu l'expérience, vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous avez eu des dons spirituels, la consultation de la parole, la clameur par le sang de Jésus. Vous avez eu l'expérience avec le Seigneur tous les jours de votre vie. Vous avez prêché sur cela. Le jour d'après, dans 2 secondes, vous dites que vous ne croyez en plus rien de cela. Maintenant, vous avez une autre chose pour expliquer. Donc, quel est le problème? Cela se fait, se donne. Donc, dans le cas de l'apostate, l'apostate, il renie sa propre expérience. C'est une opération de ce dernier moment, c'est l'apostasie. En 1 Jean 2, 22, j'aimerais qu'on puisse projeter ici, qui est le menteur sinon celui qui renie que Jésus est le Christ? C'est l'Antichrist, c'est celui-même qui renie le Père et le Fils. Quand il renie le projet, il ne dit pas qu'il est en train de renier Jésus. Non, on est là avec Jésus, Jésus, tout va bien. Mais il renie le Père et le Fils.
Il renie l'opération du Saint-Esprit. Il renie la Trinité. Mais il ne dit pas cela. Il cache qu'il renie. Il construit une œuvre de rejet. Rejet à ceux qu'il a prêché. Rejet contre ceux qu'il a cru. Quand nous disons cela, on n'est pas en train de dire lui, quelqu'un, non, Antichrist, ce sont plusieurs. Ils sont dans la même situation. Quelle est notre préoccupation? Notre préoccupation, c'est que l'Église fidèle, à ce moment-là, de la nuit, elle ne soit pas touchée par ces choses-là. Parce que quand on prend l'Antichrist, l'apostate, il sort de parmi nous. Il quitte l'Église fidèle. Il ne quitte pas une tradition quelque part. Non, il quitte de ceux qui ont été baptisés, qui ont des dons spirituels, qui obéissent le Seigneur, qui croient dans la parole révélée, qui ont le pouvoir du sang de Jésus. Le Seigneur nous a donné en ce monde pour vaincre exactement l'Antichrist. Il vient exactement en faisant le contraire de ce que le Seigneur est en train d'enseigner à son Église pour vaincre dans ces derniers moments, pour vous enlever du chemin, pour vous amener dans un chemin que lui qui connaît. Regardez bien. Quand nous prenons la signification des mots dans les dictionnaires ou dans l'origine, le grec ou l'hébreu, nous allons voir que l'apostate, on peut dire, c'est un interlocuteur de l'Antichrist. Il prêche ce que l'Antichrist veut qu'il prêche. Il renie l'opération du sang de la parole, il renie la Trinité. Il se rebelle contre sa propre onction. Eh bien, 1 Jean 2,18. J'aimerais qu'on puisse lire ici. Mes enfants, c'est le dernier moment. C'est le dernier moment. Comme vous voyez qu'il vient un antichrist, beaucoup se sont fait antichrist. Ou nous connaissons que c'est déjà le dernier moment. Donc, l'antichrist, c'est une figure de cette dernière heure. C'est une opération spécifique de cette dernière heure. L'Antichrist a existé déjà depuis longtemps. Mais maintenant, il se caractérise parce qu'il quitte parmi nous, il sort de parmi nous. Il cause un problème, il crée une rébellion. Et la traduction au pied de la lettre, c'est il chute, il sort du milieu, il part. Dans Actes 5, 38, l'expression c'est sorti, le grec est abstemi dans le grec. Il incite la révolte. Donc nous avons deux mots en grec qui est anathème, anathème ou anathème, qui fait référence à l'anathème, et en hébreu c'est eren. Donc ce sont deux mots, la même chose. L'anathème, c'est l'apostate, c'est le même. Donc, l'anathème, c'est l'opération de celui qui ne croit pas. L'apostate, il renie l'expérience. L'anathème, c'est celui qui ne croit pas en Jésus. Il est lié à la religion. Il crée la révolte. Et en Galates, chapitre 1, versets 8 et 9, celui qui annonce un autre évangile au-delà de ceux que tu as cru et a reçu, qu'il soit anathème. Donc, Galates 1, 8, 9. Donc, anathème est le mot eren. C'est quelque chose qui est lié à la mort, quelque chose qui est maudite, exclu de la faveur divine, donné à la destruction. Et détestable. Nous voyons dans Deutéronome 7, 26. Mais mes frères et sœurs, quand nous voyons tout cela, toutes ces opérations, nous avons l'apostate, il vient sur l'Église fidèle. Il quitte. Pourquoi il quitte? Le Seigneur permet, oui. Pourquoi le Seigneur permet que l'apostate sorte de l'intérieur de l'Église pour instiguer la révolte, pour enlever du troupeau ceux qui ne vont pas continuer, ceux qui ne vont pas rajouter, ceux qui ne vont pas monter, ceux qui se désagrègent et vont vers le monde, ceux qui ne
souhaitent pas l'amour de Dieu, ils veulent l'amour érotique. Cette rencontre, des conversations, ils ne sont pas préoccupés. Ils sont préoccupés à répondre à la chair et non répondre au Saint-Esprit. Cela, nous pouvons dire, ce n'est pas une chose d'une seule personne. Nous sommes en train nous ne sommes pas en train de parler d'une personne. C'est une opération. Maintenant, des personnes sont touchées. D'un côté tombe un, de l'autre côté tombe un autre. Ce sont des intérêts personnels. Le texte de la parole de Dieu dit en 2 Thessaloniciens 2, 11. Et pour cela, on les enverra l'opération de l'erreur afin qu'ils croient dans le mensonge. Le Seigneur permet l'opération de l'erreur pour sélectionner celui qui va croire dans l'erreur, c'est parce qu'il n'a pas cru à la vérité. Il a eu une expérience, il a renié la vérité. Il passe de l'autre côté avec beaucoup de facilité. C'est pour cela que Dieu enverra l'opération de l'erreur. L'opération de l'erreur est si bien avec l'apostate comme avec l'anathème. Donc l'anathème, il est lié à la religion. Donc, il instigue la révolte. C'est quelque chose de quelqu'un qui est maudit, il ne croit pas en Jésus, exclu de la faveur divine, annonce un autre évangile au-delà de celui qu'on a cru et reçu. C'est quelque chose lié à la mort, exclu de faveur divine, de la faveur divine, donné à la destruction détestable. Ce sont des synonymes qu'on trouve dans les dictionnaires et dans l'original grec et hébreu. Ça, c'est l'anathème. L'apostate renie l'expérience. Il renie et abandonne la foi. Et il quitte de nous, de l'Église prophète, en Jean 2,18. Il renie l'expérience avec Jésus. Il est responsable par l'enseignement de l'Antichrist. Donc, en ce moment, il renie le sang, la parole. Il renie tout cela. Il renie le Père, le Fils. C'est une opération de la dernière heure, exactement comme il est aussi l'anathème. Donc, l'apostate, il fait partie d'une opération de cette dernière heure. Il sort de parmi nous. Tandis que l'anathème, il est lié à une religion. Il est maudit, pourquoi? Parce qu'il n'aime pas Jésus. Il ne veut pas le projet de Jésus. Et le projet de son retour, il ne veut pas. Celui qui ne croit pas en Jésus, qu'il soit anathème. Donc, la parole Maranatha, c'est le Seigneur Jésus vient. Donc, si vous cherchez dans le dictionnaire, tout est lié au retour de Jésus. Donc, l'anathème, il se lève contre le retour du Seigneur Jésus. Là, nous allons retrouver les théologiens. Maintenant, je vais finir. Les grands théologiens de l'histoire. Nous avons vu quelques-uns de ces théologiens qui sont très connus dans l'histoire du néolibéralisme. Ces hommes, Tirich, Kierkegaard, Bultmann, Mühlbrunner, Schwartz, Albert Schweitzer, tous renient la parousie. La parousie, c'est quelque chose qui est lié à la venue du Messie, du roi, la venue de Jésus. Ils renient la venue de Jésus. Donc, c'est un enseignement qui est mis pour tout le monde entier. Donc, beaucoup sont impressionnés avec des théologiens. Donc, le jeune homme fait un petit cours de 3 mois, il va enseigner à tout le monde. Donc, il a perdu la foi, il commence à enseigner la philosophie. Je veux qu'on croie en Dieu à travers la philosophie. Donc, on dispense l'opération du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas contre la philosophie, nous ne sommes pas contre la science. Nous comprenons que la science et la philosophie ne vont pas amener l'homme à Dieu. Mais il a fait un petit cours. Maintenant, c'est ce qui est tout le monde en train de faire. Donc, être théologien, c'est très bon maintenant. Regardez bien. Et les personnes sont impressionnées avec cela. Et les grands théologiens sont là. J'ai cité quelques-uns, mais des grands théologiens de l'histoire, tous renient l'expérience
vivante de Jésus. Il renie l'évangile qui est dans le Nouveau Testament. Il renie les paraboles. Il renie les miracles. Il renie ce qui était le plus important, qui s'appelle la parousie. Ils sont contre l'enseignement que Jésus vient. Donc, celui-là, il donne déjà sa contribution à l'Antichrist. Donc, nous sommes en train, nous comprenons clairement. Là vient le texte Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 2:3. Personne, d'aucune manière, vous trompe, parce qu'il ne sera pas comme ça, sans qu'avant ne vienne pas l'apostasie, où l'homme de péché se manifeste, le fils de la perdition, l'apostate, il prêche ce que le fils de la perdition veut qu'il prêche. Il se manifeste avec une rébellion. La caractéristique de l'apostate, c'est rébellion. Il se rebelle contre sa propre onction, comme ça a été le cas des anges qui déchus, les chérubins, qui avaient donc en charge la musique céleste. Et le Seigneur a permis. Maintenant, il y a un jugement. Ce n'est pas avec nous. Mais nous voulons dire, tous qui sont dans l'apostasie sont devant un jugement. Mais il est nécessaire que l'apostasie vienne. Il est nécessaire que l'homme de péché se manifeste, le fils de la perdition. Parce que le chemin du monde, il va vers ce côté-là. C'est le chemin de l'apostasie. L'Antichrist va s'asseoir dans le trône à Jérusalem avec l'aide de ceux qui prêchent son message de manière anticipée. Et le centre de ce message, tout l'objet, tout le point de convergence du message de l'Antichrist est sur l'Église fidèle. L'Église qui a des dons, l'Église qui a des baptêmes du Saint-Esprit, de celle qui est en train de vivre la doctrine de la dernier moment de l'Apocalypse, du sang et de la parole. Ils ont vaincu par le sang et par la parole. Celui qui n'est pas ce moment-là avec le sang, c'est le Saint-Esprit, avec la parole du Père, il va renier le Fils. Le Fils est déjà renié. Mes frères, donc, voici quelques explications. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de choses à être dites. Il y a une quatrième réponse. La quatrième réponse dit ne pas donner et prêter l'oreille aux agressions de ceux qui sont contre ceux qu'ils ont appris. Donc, il dit, si quelqu'un vient vous rencontrer, il n'apporte pas cette doctrine de salut, la doctrine de l'homme du Saint-Esprit, il ne faut pas le recevoir, même pas le saluer, pas besoin de dire, ah, comment tu vas, la paix du Seigneur, pourquoi ça? S'il n'a rien à voir avec vous, avec votre vie, quelque chose qu'il dit, d'où ça vient? De la Russie, de Chine, de Japon? Parce que soudain, vous allez avoir une annonce et va vous déséquilibrer dans la vie spirituelle. Vous allez croire dans un mensonge, l'enlèvement de l'Église va arriver, vous allez rester. C'est pour cela que le Seigneur nous met en garde. Ce n'est pas contre des gens, contre A, B ou C. Même pourquoi ceux qui se sentent offensés, c'est parce qu'ils sont au milieu de tout cela. Parce que le fidèle, mon frère, vous êtes fidèle, vous n'avez pas besoin d'être offensé avec quoi que ce soit. Mais vous devez être prêt, vous avez des amis, des voisins, des enfants. Vous avez, il faut répondre, ça c'est une grande nécessité. Aujourd'hui, j'ai passé un petit peu de l'horaire à la demande des frères et sœurs, mais nous avons beaucoup de choses à apprendre. Certainement, nous allons entrer dans des questions maintenant, la prochaine semaine, l'autre semaine, dans des questions un peu plus différentes. Nous allons entrer vers d'autres enseignements doctrinaires où nous allons aborder les paraboles. Donc, tout sera pour l'édification de l'Église. Personne ne soit préoccupé ni appréhensif de ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire, nous disons une chose générale. Et je veux dire une chose, frères et sœurs. Celui qui nous accompagne, accompagne le séminaire de l'Église chrétienne Maranatha dans ses 20 ans, ce message-là, nous sommes en train de parler, il y a déjà, pendant tous ces 20 ans, c'est les derniers 20 ans, nous sommes en train de compiler quelques écrits maintenant de l'Église avec des dates.
la manière qu'on le Seigneur a donné la révélation pour dire, pour annoncer aux frères et sœurs sur l'apostasie. En 2015, le Seigneur a donné une révélation, on a envoyé à tout le monde. Donc ce n'est pas quelque chose dirigé pour simplement A, B ou C. C'est quelque chose qui doit être pris en compte par l'Église afin qu'elle puisse vivre sa période dans ces derniers moments, se préparer pour son enlèvement. Parce qu'en vérité, c'est contraire à l'intérêt de l'Antichrist. Parce qu'il veut prendre tous vers le même endroit, parce qu'il sait que dans cet endroit, la condamnation est pour l'homme qu'il veut enlever de la présence du Seigneur. Il est venu pour tuer, détruire, égorger. Mais dans ces derniers moments, le monde vit en désespoir. Beaucoup vont vivre la bénédiction du salut, d'autres la bénédiction de la malédiction. Donc, on va arrêter ici. Donc, à tous, la paix du Seigneur Jésus. Après l'école biblique dominicale, je vais parler, saluer un groupe des frères de la région de Rio de Janeiro. Et aussi une parole à nos frères qui sont un peu attristés au gouvernement Valadares, dû au décès d'un de nos pasteurs. Donc, que Dieu bénisse à tous la paix du Seigneur. Donc, je passe la parole au pasteur Gilles afin qu'il puisse l'utiliser de la meilleure forme possible. La paix du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, pasteur Jodetir. Nous allons donner continuité, mes frères et sœurs, à notre école biblique en apportant ici la présentation de quelques réponses de nos frères nous ont envoyées à travers les vidéos que nous présentons toujours à l'école biblique dominicale. Nous allons commencer immédiatement à la première question. Et les frères et sœurs ont envoyé les contributions, la participation à travers des vidéos. Notre première question, c'est question numéro 1, afin de présenter ici la lecture. Citer quelques noms de personnes dont les histoires sont enregistrées, si bien à l'Ancien comme au Nouveau Testament, qui se sont mis contre son propre appel. Donc, ces noms, mes frères, vont être cités tout d'abord avec une réponse. Nous avons reçu de Fortaleza, notre frère João Marcos, de Fortaleza, il appartient à l'église centrale de Fortaleza. Nous avons une réponse très intéressante parce qu'il a mis une animation dans la réponse, en profitant de nos présentations à YouTube. Donc, c'est une réponse très bien élaborée pour notre frère João Marcos, de Ceará, à Fortaleza. Et après, ensuite, nous allons passer à l'état de São Paulo, où nous allons recevoir une formation de notre frère qui est sourd, Victor. Et c'est du groupe, il fait partie de l'église de São Paulo, dans une région de São Paulo. Il va nous apporter cette réponse qui va être interprétée avec le langue des signes par un de nos frères. Mes frères, la paix du Seigneur Jésus, nous voulons laisser ici notre participation avec la réponse à la question 1 qui demande pour citer des exemples des personnes qui se sont levées contre leur propre appel. Nous allons voir dans l'Ancien Testament Saül. Saül a été appelé pour être roi d'Israël, mais il a désobéi à Dieu en faisant des sacrifices qui n'étaient pas sa fonction. Cela l'a dévié du chemin, l'a mené vers la vanité. Et le résultat, à la fin de sa vie, c'est qu'il est mort par la propre épée. Nous allons voir aussi, en deuxième exemple, le ministère du Seigneur Jésus, l'appel de Judas Iscariote, appelé pour être apôtre, mais dans un moment donné, il a décidé à trahir le Seigneur Jésus. Cela l'a dévié du chemin et a fait ce qu'il se suicide. Déjà dans le livre d'Actes des Apôtres, en troisième exemple, nous voyons Ananias et Saphira. Eux aussi ont été appelés pour la communion du corps, mais par cupidité, ils ont menti au Saint-Esprit et cela a résulté dans leur chute et en conséquence la mort. En résumant, Saül a désobéi le Père. Judas a trahi le Fils. Ananias et Saphira a menti au Saint-Esprit. Cela, c'est le profil de celui qui se lève contre la peine. Bonjour, la paix du Seigneur Jésus. Dans la question de l'école biblique dominicale, a été demandé afin que nous puissions expliquer des exemples à l'Ancien Testament et aussi au Nouveau Testament
des personnes qui ont méprisé la volonté de Dieu et l'appel du Seigneur. Nous allons passer à la réponse alors. Dans la Genèse, au chapitre 19, au verset 17, il nous dit quoi? Il nous dit qu'une épouse, l'épouse de Lot, elle a été tentée et il a regardé en arrière. Et pendant qu'ils étaient en train de fuir, ils allaient vers la direction où le Seigneur avait demandé d'y aller. Et elle a été orientée, mais l'épouse de Lot a regardé derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue une statue de sel. Cela ne peut pas, malheureusement, elle s'est déviée du projet et a vécu ce qu'elle voulait. Mais tous ont continué à marcher. Nous devons faire cela pour toucher aussi le salut. Nous devons tous les jours choisir le Seigneur. La paix du Seigneur, que Dieu bénisse. Très bien, mes frères. La réponse est très bien donnée par nos frères. Nous allons passer maintenant à la deuxième question. La deuxième question, elle disait comme ça. Pointez trois objectifs de l'Antichrist en son message pour toucher l'Église fidèle. Très bien. Ces trois objectifs de l'Antichrist vont être pointés ici à travers la participation de nos frères. Tout d'abord, à El Salvador, nos frères vont donner la première réponse. C'est un frère de l'Église de la capitale de El Salvador. Il fait partie du groupe d'ouvriers de cette Église. Ils vont donner les réponses en espagnol. Ensuite, on va passer à l'État de Minas Gerais. Là, nous allons avoir la sœur Marinette, le groupe de dames de l'église de Divinópolis. Nous avons notre Manaim dans la ville de Divinópolis. Elle va donner la réponse à notre deuxième question. Nous saluons les frères avec la paix du Seigneur. Dans la réponse à la question numéro 2, qui dit signaler trois objectifs de l'Antichrist dans son message pour toucher l'église fidèle. Notre réponse est la faire dévier de la doctrine, la dévier de la foi et pour enlever la valeur de la Trinité. Le texte que nous nous basons, c'est 2 Jean, chapitre 1, versets 7 à 9. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur, mes frères. Ma contribution est sur la question 2. La question est, pointer trois objectifs de l'Antichrist dans son message pour toucher l'Église fidèle. Dans ma réponse, est en 1 Jean, chapitre 2, verset 22, qui dit, c'est qui le menteur, sinon celui qui renie que Jésus est le Christ? C'est l'Antichrist lui-même qui renie le Père et le Fils. Et n'importe qui renie le Fils n'a pas le Père. Et celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Donc, l'objectif de l'Antichrist pour toucher l'Église fidèle, c'est toucher l'Église fidèle à travers le fait de renier le nom de Jésus, le Père et le Fils. Donc, l'objectif de l'Antichrist est enlever du milieu de l'Église le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix du Seigneur. Amen, mes frères. Nous passons à la troisième question. Très bien répondu jusqu'à présent. La troisième question nous dit, quelle est la relation existante entre l'anathème et l'apostate? Après la réponse très bien donnée par le passage d'Eti dans la première partie de notre école biblique, nous allons maintenant voir une complémentation à cette réponse à travers nos frères. Nous allons passer à l'état du Pará, dans le nord du Brésil. Dans cet état du Pará, nous avons Amanda, qui vient de l'église de la ville de Uruara. Elle va porter la première réponse. Après, on part à l'autre extrémité du pays, au sud, au Paraná. Notre sœur de Juliana, du groupe de l'église de Londrina, va compléter la réponse à la troisième question. Répondons à la question numéro 3. Quelle est la relation existante entre l'anathème et l'apostate? Nous savons que l'anathème est celui qui est maudit pour ne pas aimer le Seigneur et sa venue, comme dit en 1 Corinthiens 16, 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, soit anathème, maranatha. Et l'apostate, c'est celui qui renie la vérité de l'Évangile et admet l'hérésie. C'est celui qui a vécu l'expérience du Saint-Esprit, a eu des dons, mais avec le temps, a une conduite qui est contraire à la parole. Jésus, c'est le sujet de la parole.
l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. L'anathème, ainsi comme l'apostate, est contraire à la parole qui apporte la vie éternelle. Ça, c'est le rapport existant entre les deux. Ils utilisent la lettre, des versets isolés, pour justifier des mensonges qu'ils présentent comme vérité. La relation entre anathème et apostate se trouve dans l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile éternel. Il laisse d'utiliser la doctrine pour suivre des doctrines hérétiques et des propres intérêts. Très bien répondu par nos sœurs. Nous allons maintenant finir avec la quatrième question. Nous passons à la quatrième question qui dit: comment doit être le comportement de l'Église fidèle devant les messages de l'anathème à cette heure-ci? Donc, pour apporter cette réponse, nous allons voir ici comment doit être le comportement de l'Église fidèle. Celui qui va répondre, tout d'abord, c'est un frère, un diacre, Renon, de l'État de Bahia. Il est de l'église du groupe d'ouvriers, d'une de nos églises de la ville de Napolis. Après, nous passons à l'état du Spirit Saint où la sœur Maria Gorette, le groupe de dames de l'église, d'une de nos églises dans la ville de Vila Velha. Cette sœur, elle a été victorieuse contre la COVID-19. Elle a été très touchée, mais Dieu a entendu les prières et a permis aujourd'hui que la sœur puisse apporter une réponse à notre école biblique dominicale. Nous allons écouter. La paix du Seigneur Jésus, mes frères, en réponse à la question 4, laissée à la dernière école publique dominicale, comment doit être le comportement de l'Église fidèle devant les messages de l'anathème à cette dernière heure? La réponse est que l'Église fidèle ne doit pas prêter l'oreille aux anathèmes. Dans la deuxième épître de l'apôtre Jean, au verset 10, la parole du Seigneur nous dit, en confirmant ce qui a été dit: si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas sa doctrine, ne le recevez pas chez vous. Et ne le saluez même pas. Nous ne devons pas prêter l'oreille aux anathèmes. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur. Nous allons répondre à la question 4. Comment doit être le comportement de l'Église fidèle devant les messages de l'anathème à cette heure-ci? Nous allons répondre dans le livre de 2 Jean, deuxième épître, chapitre 1, verset 10. Si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas chez vous, ni le saluer. Nous devons être constants, avoir une vie constante avec le Seigneur, être fidèle et ne pas prêter l'oreille à ce que l'anathème dit et prêter l'oreille à ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À ce moment-là, ce que le Saint-Esprit dit aux églises, c'est le Seigneur Jésus viendra. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Nous allons prier pour les enfants, intermédiaires et adolescents pour finir cette partie de l'école biblique dominicale. Nous demandons aux enfants qui se mettent devant le Seigneur en révérence afin que nous puissions prier au Seigneur notre Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions en ce moment par le pouvoir du sang de Seigneur Jésus. Nous demandons à toi une bénédiction en faveur de nos enfants, intermédiaires et adolescents. Donne, Seigneur, une bénédiction afin qu'elles puissent continuer à participer de l'école biblique des enfants et aussi les intermédiaires et adolescents. Bénis les enfants de 0 à 3 ans d'âge dans la classe qu'elles participent aussi à l'église, afin qu'elles puissent apprendre ta parole. Garde aussi, Seigneur, les servantes qui sont enceintes, qui attendent leurs enfants, que ces enfants soient engendrés avec santé et sous la grâce du Seigneur notre Dieu. Nous prions aussi pour les professeurs, en demandant que tu puisses rendre capables tes servantes. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères. Je salue les classes, à tous, dans la paix du Seigneur Jésus. Nous allons commencer le volet d'aujourd'hui avec le groupe d'accessibilité. Le soin du Seigneur est merveilleux. Il éveille son Église pour ce nouveau moment. Nous allons assister à quelques participations individuelles et aussi le travail d'accueil avec ces groupes d'handicapés. Matheus Datman, de Vila Velha, Espírito Santo. Intermediária Renata Cristina, do governador Valadares, Minas Gerais.
trabalho desenvolvido com no trabalho desenvolvido par les classes dans la langue des signes, à Foz do Iguaçu, Paraná. Gloire à Dieu. Nous allons continuer les participations maintenant avec les tambours. Ceux que nous avons construits. Regardez quelle merveille. Ils sont en train d'utiliser même dans les cultes. Voici le petit Daniel de 11 mois et sa cousine Amanda de 8 ans. Medina, Minas Gerais. Esther, Dona Harmonica e Isaac que jouent son joli tambor. Governador Valadares, Minas Gerais. Voici Johanna que prépare son tambor très joli. Elle vient de Brasília, Distrito Federal. Lindos tambores dos irmãos Isaac. De très jolis tambours des frères Isaac et Samuel, Serra Espírito Santo. Onde a profecia aponta a direção, este povo segue e alcança a salvação. Que bênção! Quelle bénédiction! E vous avez étudié beaucoup? Je suis certain que oui. Nous allons connaître la partition. Nous allons jouer la louange Jeune Lampe avec l'introduction simplifiée. Nous avons déjà appris les trois dièses dans l'armature de clé. Nous avons le ton de La majeur. Le rythme, c'est binaire, deux tons pour chaque partie. Nous avons les pauses, qui c'est le silence de noir et de croche ponctué. Nous allons voir aussi la figure de la double croche, qui a joué très vite. Et maintenant, voici les noms des notes et aussi les tons. Enfin, le ton. Et en rappelant que le cercle rouge, c'est pour rappeler que la respective note se joue dans la touche noire, jazz. Je vais maintenant passer et en lisant les notes. Nous allons voir. Mi, la, la, sol. Sol, sol, fa, fa, mi, pau. Do, fa, fa, mi, 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 ré, ré, dó. Pausa. Do, fa, 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 mi, 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 sol, sol, lá. Vous avez vu? Je vais attirer votre attention. Pour ce signe-là, c'est une liaison, vous rappelez? C'est une liaison de prolongation. Cette note, elle n'est pas jouée, mais on va respecter son ton, deux tons. Maintenant, le devoir maison. J'aimerais que vous puissiez étudier beaucoup les noms et le ton de chaque note de cette partition simplifiée. Et les flûtistes peuvent séparer les flûtes pour la prochaine étude. Je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus. Bye.
Nous voulons saluer nos enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique de notre étude, c'est le pouvoir de Dieu dans la vie de Joseph. Nous allons lire le texte de la parole du Seigneur. Et Pharaon dit à Joseph, j'ai rêvé un rêve et personne ne peut l'interpréter. Mais j'entends Dieu de toi que quand tu entends les rêves, tu donnes l'interprétation. Cela est écrit dans la Genèse 41, 15. Dans l'étude précédente, nous avons vu que Joseph était en prison. Dans la prison, il a connu deux personnes, l'échanson et le panetier mort. Ils ont fait des rêves et Joseph a interprété le rêve. Et la manière comme Joseph a donné l'interprétation, ça s'est passé. L'échanson mort était libre, il est revenu dans la cour de Pharaon, mais il a oublié Joseph. Mais le Seigneur n'oublie pas ses serviteurs. Le Seigneur rappelle de toutes les promesses. Ce que le Seigneur t'a promis, le Seigneur va accomplir. Des fois, ça peut paraître que ça prend du temps, mais tout se passe dans le temps du Seigneur. Le Seigneur, Dieu, il a donné deux rêves à Pharaon dans la même nuit. Il était très, très effrayé, très préoccupé, parce que personne dans le royaume savait ce qu'il voulait dire ce rêve. Et là, le Seigneur a fait les chansons mortes, se rappeler de Joseph. Et les chansons ont dit, « Pharaon, quand j'étais en prison, j'ai fait un rêve. » Et là, il y avait un homme appelé Joseph qui a donné l'interprétation du rêve. Et Pharaon a appelé Joseph. Et quand il est arrivé devant Pharaon, et quand Joseph est arrivé, Pharaon a dit, « J'ai appris que toi, tu donnes l'interprétation des rêves, n'est-ce pas ?» Joseph a dit, « Non, Pharaon, l'interprétation ne vient pas de moi. » Et il n'était pas vaniteux, lui. Il a honoré, il a témoigné le Seigneur. L'interprétation, dit-il, vient du Seigneur, vient du haut. Quelle merveille! Et Pharaon, il a rencontré le rêve. J'ai rêvé qu'il avait 7 vaches graisses et les maigres qui mangeaient les graisses et 7 épis petites et les petites mangeaient les grosses. Et Joseph donnait l'interprétation. Regardez, Pharaon, les 7 vaches graisses et les 7 épis grosses signifient 7 années de grande abondance en Égypte. Et les 7 vaches maigres et les 7 épis brûlés, cela, c'est 7 années de grande famine. Et le Seigneur a répété 2 fois ce rêve. Il a fait cela parce que cela va se passer très vite. Pharaon, choisis quelqu'un parmi autour de vous pour ramasser la nourriture. Quelle chose glorieuse! Vous savez qui Pharaon a choisi? Joseph. Pharaon a dit, mais quel homme a plus sage que toi, Joseph? Quelle chose glorieuse! Le Seigneur a honoré Joseph. Quelle merveille! Et d'esclave, il est devenu gouverneur d'Égypte. Mais est-ce qu'il est devenu vaniteux? Non. Il a continué à servir en toute obéissance le Seigneur. Dieu, il mouvoit toutes les choses, mes bien-aimés, en faveur de son serviteur pour accomplir ses promesses. Joseph, il était seul en Égypte. Son père n'était pas là. Personne de sa famille était là. Mais il est resté ferme. Vous pouvez être seul dans votre maison, dans votre école. Aucun autre serviteur. Tu peux être seul dans tes jeux. Mais rappelle-toi, tu as le Seigneur dans ton cœur. Et tu peux donner témoignage du Seigneur. Et des moments vont venir, ils vont t'appeler pour faire des jeux erronés, de dire des gros mots. Mais ne sois pas honteux. Sois comme Joseph. Reste ferme. Je suis un adolescent du Seigneur. Je suis un enfant du Seigneur. Je suis un intermédiaire, serviteur du Seigneur. Ce pouvoir, le Seigneur veut te donner. Comment tu es en train d'utiliser? Je veux être utilisé avec pouvoir dans les mains de Dieu. Le Seigneur veut te baptiser du Saint-Esprit. Le Seigneur veut te donner des dons spirituels. Le Seigneur veut te remplir de son amour, du Saint-Esprit, et te donner le pouvoir afin que tu puisses parler à tout le monde que toi, tu as le Seigneur dans ton cœur. Cherche le Seigneur, prie, et le Seigneur va visiter ta vie
il va parler à tes oreilles. Il va te donner des dons spirituels. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Prie. Cherche le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Quand Christ viendra me chercher, je veux être là avec l'Église. Les enfants chantaient cela, quelle chose merveilleuse. Mes frères et sœurs, nous allons maintenant passer aux frères et sœurs la question pour le prochain week-end, le prochain dimanche, afin que les pasteurs puissent organiser et travailler l'Église. Cette question est divisée en trois parties. Nous allons immédiatement passer à nos frères et sœurs. La question est la suivante. En revenant les études derniers séminaires promus par l'Église chrétienne Maranatha, commentez sur un des trois enseignements ci-dessus prêchés par les apostates. Donc, si quelqu'un a des doutes, ce dernier séminaire que l'Église chrétienne Maranatha a donné, c'est lui donné au pasteur et après transmis le dernier mardi à travers notre canal YouTube imposté. Vous pouvez aller là-bas, revoir ces études pour répondre à cette question qui est divisée en trois parties. La première partie, la partie A, la question est la suivante. Le chrétien sera sauvé et même s'il renie Jésus et revient au monde et pour le péché? Ça, c'est la première partie de la question. Le chrétien sera sauvé même qu'il renie Jésus et revient au monde et vers le péché? La partie B. La grâce est un consentement de Dieu afin que l'homme soit libre pour pécher quand il veut. Donc, voici clairement la question. La troisième et dernière partie de la question. L'Église qui n'a pas été enlevée avant la tribulation aura encore droit à un nouvel enlèvement, même qu'elle rejette le Saint-Esprit? Je vais poser encore la question. L'Église qui n'a pas été enlevée avant la tribulation, il y a eu déjà l'enlèvement de l'Église, la tribulation, et maintenant la question est la suivante. Celui qui n'a pas été enlevé aura droit à un nouvel enlèvement, même qu'il ait rejeté le Saint-Esprit? Donc, l'orientation pour la réponse à cette question est la suivante. Les frères vont choisir une des trois pour répondre. Naturellement, un groupe va choisir une, l'autre va choisir l'autre. Vous allez assister au séminaire, vous allez revoir. Les frères qui ont déjà assisté au séminaire, certainement, vont répondre plus facilement. Si quelqu'un est là et n'a pas assisté au séminaire, naturellement, il peut aller dans le pourquoi. D'ailleurs, je voulais dire que ça a été notable. Les frères et sœurs qui ont participé, tous ont commenté quelle bénédiction
a été ce séminaire de mardi dernier, qui a été une reprise des séminaires de samedi. Très bien. Nous allons maintenant rapidement passer à la formation d'aujourd'hui. D'ici peu à midi, nous allons voir la transmission vers les églises à l'étranger. Le pasteur Gilson Souza sera dans la direction. À 14h du Brésil, nous allons voir la programmation en annonçant l'Évangile éternel par la télé. Les villes qui reçoivent le signal de cette chaîne de TV que nous utilisons pour transmettre cette programmation. À 15h, nous avons une programmation par YouTube pour toute l'Église. À partir de cette semaine, nous sommes en train d'utiliser d'autres pasteurs et d'autres parties du Brésil pour diriger cette transmission. Naturellement, le soir, la transmission du culte de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, vous avez l'opportunité de d'évangéliser en partageant le lien de ce culte de tout à l'heure à 20h. Nous avons le 0800 qui va être affiché ici, 0800-707-376, un numéro vert au Brésil. C'est une manière d'évangéliser. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette école dominicale. Il se passe maintenant le matin la consécration d'une église dans la ville de Queimados, dans l'état de Rio de Janeiro, au Brésil. Nous allons maintenant finir notre participation et dans la séquence, le pasteur Jody Tigueiros va revenir en direct pour transmettre une parole dirigée aux frères de l'église à Queimados. Donc, nous terminons ici l'école biblique dominicale. Et maintenant, dans la séquence, immédiatement, le pasteur Giudetti, qui est prêt dans le studio qui a été monté chez lui, pour transmettre cette parole spécifiquement aux frères de l'église de Queimados. À tous, la paix du Seigneur Jésus.